Aujourd'hui vidéo spéciale, on se lève tôt parce que je suis invité à Paris. Des invitations, on en reçoit tout au long de l'année. Hein. J'ai reçu par exemple, j'étais invité par 3 ou 4 marques au salon de la photo et d'autres. Là, il y a mon tir en der, je crois, la semaine prochaine. Donc euh, c'est vrai que j'y vais assez rarement parce que j'ai un gros problème, c'est que moi, j'habite Perpignan. Et quand vous habitez Perpignan, ben, vous êtes un peu au bout du monde et tout est très compliqué et prend beaucoup de temps. Et là, je le vois comme une opportunité finalement de s'améliorer, d'avoir accès à un endroit où d'habitude bah, je peux pas aller parce que se faire accréditer pour ce, pour ce genre d'endroit bah, c'est réservé vraiment aux photographes de presse Rencontre d'un abonné à l'aéroport un exercice un peu gênant pour le timide que je suis passage par la sécurité où il faut sortir tout le matos, ça mettre dans des bacs, tout le monde te regarde un peu comme un martien. J'ai le r 6 car je le rends à Canon ce jour-là, j'ai le XT5 car je le teste et j'ai un R3 qui filme ce vlog. Départ sous le soleil du sud de la France et on sait qu'on arrive à Paris quand on commence à voir des nuages au-dessus de nuages. Comme d'habitude, quand tu arrives à Orly, t'as l'impression qu'ils sont pas au courant que t'arrives et ils mettent 20 minutes à t'ouvrir les portes. Petit coup de taxi pour apprécier la chaleureuse circulation parisienne et me voilà arrivé à l'ATP1000 où je suis invité par Canon je n'ai pas pu vous tourner ce débrief là-bas parce qu'il y avait trop de bruit donc je vous le tourne ici, me voilà donc arrivé donc, pour rencontrer l'équipe de Canon France donc il y a Jackie qui est le responsable des hybrides et des réflexes chez Canon, c'est lui qui m'appelle un mois avant les annonces pour me présenter les nouveautés, il y a Mathilde qui se bat pour que la France ait le maximum de boîtiers en magasin cette période tendue il y a Sébastien aussi qui est leur responsable, Samuel et Mathilde qui gèrent l'influence et les réseaux sociaux chez Canon. Ce genre de rencontre ça permet vraiment hein, de mieux comprendre comment fonctionne une grosse boîte comme Canon, les contraintes auxquelles ils font face eux aussi, hein, leur stratégie, et puis je trouve que ça donne un côté humain auquel personnellement je suis quand même très sensible. Canon a convié Franck Seguin, qui est le chef de la photographie dans le journal L'équipe et les magazines avec qui j'ai pas mal échangé, j'ai adoré. Il est simple, humble, il est accessible comme j'aime. Et c'est l'occasion de parler du métier de photographe de sport. Moi, c'est un métier que je ne connais pas trop. Hein. Il nous explique que tous les photographes qui sont à l'équipe sortent d'école photo. Parce que pour bon, moi, je pas imaginé ça. Contrairement aussi à ce que j'aurais imaginé, il bosse principalement au zoom, car c'est plus polyvalent. Le sac de base du photographe de sport, ben, c'est donc des zooms. 14-24, 24-70, 70-200. 200-400, accompagné d'un 85-1-2 pour les portraits ainsi que d'un flash. Ils ont évidemment hein, des 400 et des 600, mais ils réservent ça à des sports particuliers comme le ski, le rugby, les sports auto. Sachez que le matos photo, il va jamais en soute. Et on a parlé aussi quel était le sport le plus compliqué à photographier. Et pour lui, c'est la boxe, parce que la boxe, ça va très très vite et ça tourne en permanence. C'est imprévisible. Le concernant, il bosse évidemment en Canon avec du Canon R3. J'ai été étonné, mais il utilise beaucoup les algorithmes de détection qui, pour lui, ont tout changé. À l'équipe, toute retouche est interdite par le photographe. Et pour photographier du T10, ils utilisent du 1/2ème de seconde. Et pour lui, une photo de sport réussie, c'est d'abord une photo qui est parue, mais qui explique une actualité. En fait, il tient vraiment au terme de journaliste, en plus de photographe. Et donc, leur métier, c'est d'illustrer l'actu. Si elle est belle, Tant mieux, mais l'objectif, c'est avant tout de montrer un fait journalistique. Voilà, c'est un petit résumé de la présentation qu'il a faite et de l'échange que j'ai pu avoir avec lui. Vous vous en doutez, hein, mais Canon a organisé cet événement pour faire découvrir le nouveau Canon R6 II et le 135 mm 1.8 qui viennent juste d'annoncer trois jours avant. C'est l'occasion hein, pour une dizaine de créateurs de venir les essayer. Bon. Évidemment. Concernant, je les ai à la maison depuis trois semaines, donc c'est des produits que je connais plutôt bien. Mais quand même, le choix de Canon sur cet événement-là, je trouve, en dit assez long. D'abord, il y a le lieu, l'accord Arena. Ça veut dire à l'intérieur, éclairage artificiel qui est connu à Bercy pour pas être génial, hein, ni très puissant. Ensuite, c'est du sport avec les meilleurs mondiaux. Ça tape très fort et ça va très très vite. Et en fait, c'est un lieu où on s'attend plutôt à venir. Avec un capteur empilé, hein, car sans un excellent rolling shutter, on va avoir une raquette qui va se déformer méchamment, en plus de potentiels problèmes de banding à cause de l'éclairage. En fait, c'est un lieu auquel, si on y réfléchit bien, je pense que ni Sony ni Nikon viendraient avec le Sony A7 IV ou le Z6 II. C'est pas forcément des lieux où ils vont briller. Alors, sachez que dans tout ce que je vais vous montrer, j'ai l'obligation de vous flouter à la fois les visages et les sponsors. Tiré récapitulatif des forces en présence en termes de rolling shutter. Le R6-2, il est à 60ème, c'est ce qui se fait de mieux en dehors des capteurs empilés. Le R7 que j'ai à ma disposition aussi, il est à un 30ème, c'est-à-dire qu'il est deux fois moins bon qu'un R6-2. On va voir un peu ce que ça change un Rolling Shutter deux fois moins bon. Et si on avait par exemple un Sony A74 qui est dans la même catégorie, on serait encore deux fois moins bon qu'un Canon R7 si on utilisait l'obturateur électronique. Donc je vous rappelle que j'ai enlevé les visages et les sponsors pour respecter mes engagements. Ici ce que je veux vous montrer c'est les bandes. Regardez les bandes sur les écrans. On a des bandes vraiment dans tous les sens. Et regardez aussi en termes de... au niveau de, de l'horloge là. C'est pareil, on a quand même pas mal de bandes. Donc euh, on voit tout de suite les effets finalement sur le Canon R7 qui pourtant a déjà un rolling shutter qui est pas si mal, mais on voit que ce n'est pas suffisant dans ces conditions-là, que ça reste encore un peu trop juste. Et ici on est de repasser sur le R6 Mark II et regardez l'horloge qu'on avait sur le, R6, euh, sur le R7 pardon, avec des bandes. Donc ça ne passait pas sur le R7, ça passe sur le R6 II dans ces conditions très compliquées. Pareil, hein, regardez l'affichage. C'était compliqué ici sur le R7, ça passait pas dans, cette, dans ces conditions qui sont vraiment extrêmes, ça passe sur le R6 Mark II. Donc c'est vraiment la différence que je vois principale entre les deux, c'est que... Bah, il est beaucoup plus tolérant aussi parce que le rolling shutter du R6 Mark II est supérieur à la, au, à la fréquence de scintillement de notre électricité en Europe, qui est à 50 Hz. Ici, on est à 1 soixantième, donc on est supérieur. Donc, bah, on a beaucoup moins de risques d'avoir de problèmes. Et l'autre problème dû à ce rolling shutter, c'est la déformation de la raquette. Regardez, c'est rigolo. Ici, il va reprendre la balle. Alors, évidemment, on voit la balle, regardez, qui est déformée. Et regardez la raquette aussi. Là, elle est à peu près droite. Là, regardez déjà, elle commence à se tordre. Et... Quand elle arrive ici, elle devient toute petite d'un coup. Ça, c'est vraiment les effets que vous avez dus au rolling shutter en obturateur électronique. Et je vous rappelle que le Canon R7 n'est pas si mal en rolling shutter. C'est juste que le R6-2 permet vraiment de franchir une étape supérieure où on voit qu'ici, le joueur arrive. Regardez la balle. La balle, elle est quasiment ronde. Alors, je ne dis pas qu'elle est 100% ronde parce que ben ça, ça serait plutôt ce que vous donnerait un capteur empilé où vous auriez absolument aucun défaut nulle part. Là, on n'est pas là. Mais on est passé quand même d'une balle qui était vraiment pas ronde à une balle qui est quasiment ronde. Et regardez la raquette, même au moment de taper la balle, elle diminue pas de taille, elle est restée normale. Donc on voit bien l'apport du bon rolling shutter du R6-2. Et je profite d'avoir le R7 et le R6 Mark II pour vous montrer la différence de la montée en ISO. Ici à 12800 ISO, regardez, si je zoome dans l'un et si je zoome dans l'autre pour voir ce qui reste. Euh, à 12800 ISO sur le R7, je suis vraiment à l'extrême. J'ai beaucoup, beaucoup de bruit. Je vous avais dit dans le test du R7 que bah on est sur un capteur dont la montée en ISO est pas extraordinaire. Le R6 Mark II c'est tout l'inverse. Hein. On est à 12800 ISO et on continue d'avoir énormément de détails et très peu de bruit. Et ça se voit quand vous zoomez ici sur la peau, sur le genou. Euh, C'est pas du tout la même chose. Un hein. ah, mot aussi sur le 135 mm 1.8, la qualité elle est dingue. Merci à Charles d'avoir posé ici. Mais waouh, franchement on a un piqué qui est absolument sublime. Et ici moi je me suis amusé à faire un peu de sport avec... Et c'est rigolo, mais il tient, mais vraiment très très bien l'autofocus. La première génération était légendaire, mais l'autofocus un peu lent était aussi légendaire. Là, on voit que on n'a pas de problème. Alors, je termine avec Julien. Merci à Julien aussi pour le portrait que je lui ai volé. Euh, mais regardez ici ce que je voulais vous montrer sur cette photo-là, c'est qu'il y a des bandes. Je ne sais pas si vous les voyez bien. On voit des bandes ici. Donc ces bandes, elles sont dues justement au scintillement. Et voyez ici, je ne sais pas pourquoi, c'est la seule photo que j'ai trouvée parmi les milliers de photos qu'on a fait là-bas. Où j'avais des bandes qui étaient vraiment visibles, ça vous montre bien la différence entre un R6 Mark II où on a dans la majorité des cas vous aurez pas de problème, mais il y a quand même un terrain réservé aux capteurs empilé au R3 où probablement que si j'avais fait, si fait cette photo là avec le Canon R3, là j'avais l'assurance de pas avoir de bandes. Donc on a vraiment la gradation de la gamme comme ça que je trouve que ces photos m'ont permis de bien vous le montrer. Merci à Canon pour l'invitation. Moi, c'est retour en train de nuit vers Perpignan, arrivé avec 2h30 de retard. Moi, je vous dis à bientôt. Salut